Vous avez vu le stade ici, on a l'impression qu'on jouait au stade du 28 septembre de Conakry. Féo. Et imaginez maintenant l'ambiance actuelle au niveau des villes de Conakry et de la Guinée. Est-ce que c'est une victoire qui met beaucoup plus de pression à Kaba Diawara ou bien ça vous libère pour la suite de la compétition? Merci. Non, non, déjà j'en profite parce que vous me faites parler là. J'en profite pour lancer un message aux supporters. N'allez pas vous tuer ce soir. On a gagné. On veut voir d'autres victoires encore. Ce n'est pas le moment d'aller se foutre en l'air, excusez-moi, mais c'est le cas. Après, on va tous pleurer. Donc, on a subi une catastrophe au mois de décembre. On en a eu une autre lors de la victoire face à la Gambie. Donc, c'est bon, ça suffit, quoi. On fait ça, on reste calme, on rentre voir maman, papa, on profite. Inch'Allah, vendredi, on en aura d'autres. Une question sur la gauche, l'avant-dernière.